Ok, Ben. Maintenant, une question plus révélatrice que je pose à tous nos stagiaires. Alors celle-là, faut que vous y pensiez sérieusement, ok? Où vous voyez-vous dans 10 ans? À 80 ans. Tu te souviens qu'on a parlé d'un programme de stagiaires seniors? Comme dans Dernière année d'université? Non. Senior comme dans Âge d'or. Attends, quoi? Voici la fondatrice et PDG Jones Aston. Un conseil pour moi avant que j'entre? Clignez des yeux. Ah oui? Elle trouve ça bizarre, les gens qui ne clignent pas des yeux. Bonjour Jones, je suis Ben, votre nouveau stagiaire. Contente que vous le preniez avec humour. Pas tellement le choix. Je vous envoie un courriel dès que j'ai du travail pour vous. J'attendrai de vos nouvelles, monsieur. Je vous demande pardon, j'oubliais presque. Alors vous êtes le nouveau chauffeur? Non, en fait, je suis le nouveau stagiaire. Alors ça, c'est vraiment drôle. Le stagiaire s'adapte bien. C'est monsieur populaire, tout le monde l'adore. Faut soigner son apparence, la chemise va dans le pantalon. Pourquoi y a plus personne qui rentre sa chemise? Je pose la question. Je suis Fiona, la massothérapeute. Ben. Ah, ça fait du bien? Oui. Tiens, pour toi. T'es pas mal moins vieux que je croyais. Tiens donc, monsieur, sur Facebook. Je me suis inscrit il y a 10 minutes. Eh bien, vaut mieux tard que jamais. On vous pose toutes sortes de questions pour votre profil. Vous pouvez répondre ou non, du genre, les personnes qui vous inspirent. Jules Austin. Oh. Vous êtes très inspirante, Jules. Les investisseurs croient préférable qu'un PDG d'expérience vienne te prêter main forte. Ou je pourrais prendre des cours de gestion. Je n'avais jamais connu ça avant. Vous avez créé une belle grande entreprise où les idées fourmillent. N'oubliez jamais qui l'a fondée. Qui? Je l'aime bien, lui. Dans ces moments-là, c'est bien de savoir qu'on peut compter sur quelqu'un de fiable. Parce que vous êtes mon... stagiaire. Ben, en fait, j'allais dire stagiaire et meilleur ami. Regardez-le bien, parce que ça, c'est un homme cool. Comment ça se fait qu'en une génération, on est passé d'hommes comme Jack Nicholson et Harrison Ford? Oh merde.